Tu as failli ma gueule. Donc voilà, c'est deux, je peux pas dire hidden boss, mais un petit peu quand même en fait, de la région. MotoGP Mix, Diddy Kong contre Mewtwo, un bon gros match-up de merde, comme on les aime. Pour Mewtwo surtout d'ailleurs, survie centre-ville en plus. Classique depuis. Gameplay très très défensif, beaucoup de charges de Shadow Ball, enfin très défensif. Efficace on va dire quand même, beaucoup de Shadow Ball, beaucoup de Bait and Punish, voilà encore une fois, il a bien joué, le nerf tout faire, 60% à 10. MotoGP qui n'aurait même plus sur le stage, alors que pourtant il y a le match-up. Ça c'était curieux, on a mis une pute ça, bien joué, il a bien lu la roll. La banane, on couvre le saut, on back air, on punit. Banane, c'était un peu trop loin ça je pense, du coup on en part maintenant. Non parce qu'il pourrait avoir un confirme au bout. Bien joué le monkey flip qui cancel en plus. Rôle de B là de la part de Pibix, pile dessus. Ouh, bien joué le call out, la wave smash, ça ne tuera pas encore. Là par contre, non, le prochain par contre, pas sûr qu'il ne tue pas, ça reste blé centre-ville. Le downer, oui, ou le downer en descendant qui va tuer. Avantage Pibix, 63% au compteur seulement. Bien joué la rite de roll là pour le coup, mais ça n'a pas joué le ball. Bon punish, le jeu qui prend un peu l'eau. Ah le... c'était plus cru comme confirme le père, mais soit. Parce que alors certes ça connecte, mais ça n'ajoutait pas assez loin pour tuer, et ça n'ajoutait pas assez loin pour être vraiment safe. Là c'était osé aussi, le left smash comme ça, dans le shield, alors qu'il avait déjà bloqué. Ah, elle a vraiment approché correctement au Toji, on le voit. Hein. C'est vraiment de bait pour pouvoir, excusez-moi, provoquer une erreur de l'adversaire et pouvoir utiliser sa banane pour un kill confirme. Malheureusement Pibix il s'y attend, il sait que la banane ça va coller sa mort s'il se la prend. Ah bien joué, là il l'a pris mais il était trop à l'edge pour être inquiété, directement il va sur le bord. Ah, il a raté le rare le reverse aerial rush back air pour la technicité du terme. Bien se branler comme il faut. J'attaque dans le vent, ça c'était heureusement pas puni par Pibix. Un tilt qui a une portée quand même. Bah pas très bonne idée, ça c'est un peu dangereux fait que ça c'est. J'ai oula qui descend bien loin, attention à la reco, voilà, bien lu le saut bien puni. Là par contre. Non, Web Smash. Ah voilà, les kills, comme on les aime. Gros retard pour MotoGP quand même. Mais s'il joue un peu plus calmement, un peu plus attention, voilà, ça c'est un bon confirme ça malheureusement, un peu trop de drage peut-être pour que le fer connecte. Faut mettre les combos, c'est bien, mettre la pression. Ah bien joué la ride, est-ce que c'est pas tué? Non pas encore, mais le prochain par contre tuera. Le throw va commencer à devenir dangereux aussi, même s'il ne tuera pas encore. Pas assez de rage, pas assez de pourcent non plus. Bien joué, ça a bien joué. La part de MotoGP, encore une fois, le falling down air. Pour un peu trop MotoGP quand même, on se le dise, même si c'est long et c'est normal en soi. Bien joué ça, bien joué le bait, bien joué la ride. Pour une fois, oh là là, oh là là. Alors ça par contre, c'était bien joué. Très bien joué parce qu'il revient de loin MotoGP, il n'était pas à son avantage tout du long. Il a bien repris le dessus sur la fin, il a puni parfaitement tout ce qu'il fallait punir. Rien à redire. Très très solide. Alors que Pibix était pourtant plutôt bien en soi dans la game. Alors est-ce qu'ils vont revenir sur ville centre-ville? J'imagine que Moto va bannir au moins un des triplateformes. J'ai cru entendre Battlefield. Au final peut-être de bannir aussi, et on retourne sur Tannen City. Et oui, je suis mort en poule, sans surprise. Une bonne matinée. Et du coup maintenant je peux dire bien de la merde au casting, comme ça tout le monde est content. Mais quelqu'un le fasse. Cédric ça m'a tout faire de la SU. L'absence de l'ami Oblong qui est malheureusement malade et qui est juste installé le setup et qui est reparti. Ah bref, je reparlais plus du match, on s'en branle un peu du reste. On est donc retourné sur ville centre-ville. Oh, joli Riddle Dodge. Headbear Dodge. Bien joué, ça va tuer. Ouais, ça tue. Voilà, encore une fois, stock en prise relativement en tout cas de la part de Pibix. Ça compte même pas 50% compteur. Et MotoGP a montré qu'il avait pu, enfin qu'il était capable de revenir quand il le fallait. Sur le shield, hein, beaucoup de pression avec la Shadow Ball. Bien joué, tout faire, elle allait bien remonter. Ah dommage, il y avait l'idée avec la banane là qui était jetée en l'air. Là aussi il y avait l'idée, bien joué, ça passe. Technicien du baril. MVD serait content.
attention quand même parce que voilà, Mewtwo a beaucoup de power, allez, il se fait track down avec le nerf. Rabefro. Le nerf à l'edge. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'agaçant. Bien joué, bien joué. Il y a la roll derrière. Ici, s'attendait qu'à la première, pas à la seconde. Comme quoi, roll comme un Fort Glory, ça marche parfois. Moins de retard que tout à l'heure, si je ne m'abuse, pour MotoG quand même. Et là, oh, il a cherché le reset du combo avec le downer. Ah, le dash grab par contre. PC, hein, sinon c'est putain. Attention à ça parce que Mewtwo, très bien. Bon, un peu présomptueux quand même, le double. Voilà, up throw, up air, on fait monter lentement mais sûrement. Là, il y aurait eu un grab. Peut-être plutôt pas de dodge, c'est dommage. Voilà, on met dit off stage. On cherche pas trop à l'en. Ah, bah, j'allais dire, on cherche pas trop l'edge guard, mais la shadow ball ça marche aussi. Très très haut pourcent pour MotoG maintenant. Pas sûr qu'un F-Smash ne tue pas. Point faire, voilà, oh le prochain move va tuer. L'up throw va tuer, la back throw pourrait tuer s'il est assez proche du bord. C'est chaud compliqué, bien joué ça. La balle encore une fois. Le classique combo de Kikong. Monkey flip de l'autre côté, pourquoi pas. Bien joué, là il est bien dedans là. Attention parce qu'avec la rage. Là, par contre c'était. Oh, c'était très risqué ça par contre. Ouh, l'air dodge sur l'edge, ça faut pas faire. Bien joué en pignon spot dodge. Oh, dommage, là il l'avait. PBX il s'était vraiment découvert sur ce coup. MotoG qui n'a pas pu punir comme il l'entendait. Et PBX qui a pu grab, up throw, ça va tuer un partout entre les deux. Alors que je recentre un peu les scores sur le layout. Joli layout. Belle. Alors j'ai entendu Smashville de ban. Est-ce qu'il a ban d'autres, par contre, à vous. Et reparti encore une fois, même stage, là, il n'y a pas de... Après, Monkey Flip appuyé par une Shadow Ball tout de suite, 25% facile. Là, c'est pas la peine de chercher le grab quand on passe dans le tilt à l'edge, parce que tu tombes sans chercher l'edge guard immédiatement. Ou alors... Vu le match-up, mieux vaut rester sur le stage et regarder un peu la reco de l'adversaire parce que je garde avec Diddy Kong contre Mewtwo, exposé à de gros risques. Voilà, bonne première phase de la part de MotoG. Il a bien pu monter les pourcents avec les Diddy Combo classiques. Problème, sans trop prendre de danger. De risque, pardon. Ah, trop lent sur le grab, pas assez bonne réaction là-dessus de la part de MotoG. Lui qui a un peu plus de mal à revenir, mais là qui trouve une bonne phase. Nair, down tilt, double fer et il reprend l'avantage. Bien joué la Shadow Ball encore une fois. Donc il fasse gaffe au Monkey Flip sur le stage MotoG parce qu'il le fait énormément. Et là, la prochaine fois que le down B est puni par contre, il est mort. Oh là là, je crois que t'avais vraiment donné l'air dodge. Grosse hard read de la part de PBX, enfin tentative plutôt de hard read. Ah, bien, bien, ça a bien joué la read de roll. Il a eu le temps de placer la banane, de prendre le Shadow Ball, de read, de punir. Dangereux. Il donne une tap smash, est-ce que ça va tuer? Oui, ça va tuer, ça va tuer. MotoG qui prend l'avantage. Pour la première stock, pour la première fois du set d'ailleurs. Bel avantage. Toujours un pourcentage élevé, mais. Un bon potentiel. Ah, bien joué, ça a bien fini. On reset. Ah, dommage, j'avais de l'idée. Je crois qu'il a voulu fast fall nerf pour. Ah oh, putain. Pas prudence à la balade comme ça en revenant, en tendant les fesses. X qui a pu égaliser les stocks. Bien joué là, le pair pour combo break. Ah, il frime un peu avec ses montres en cancel, mais c'est pas non plus très très efficace. Bon avantage, ceci dit quand même. Ah, forcément PBX a une phase. Avant que j'apprenne à anticiper. Bien joué, dommage. Là, il a peut-être pu chercher le grab F-throw, je pense plutôt. Elle est pas mal la MotoG, beaucoup mieux que dans les deux premières games. Bien ça, il profite, il joue bien le match-up au final, il commence vraiment à s'adapter. Il faut s'adapter à PBX. Là, par contre, up tilt, down tilt, up air. Alors, grosse read, ah, il a trop attendu, il aurait dû fast fall pour finir là. On sent quand même un certain manque d'expérience. La part de MotoG sur certains points. Pas non plus pour se poser être un méga vétéran pour pas faire ses erreurs, mais on sent quand même qu'il a besoin un peu plus de. Hey, ouais, attention là. Bien joué la Rocco. Oh non, 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 ça c'était beaucoup trop gourmand ça. Pas très patient, c'est la jeunesse ça. Attention, attention. Bien, 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 bien. Il s'est bien repris. Bien joué, il a bien lu cette fois, c'est pas favor par le falling down air. Et faut qu'il arrête la Monkey Flip sur le stage parce qu'il me fout sur froid à chaque fois, ça devient violent là, je vais pas tenir. Bien joué la read de roll, ça c'était bien, le down smash chargé à l'edge. Bon ledge trap, Diddy Kong est très fort avec ça, on le sait. On a pu le montrer 0, un nombre calculable de fois, ou Vidi.
Elle bien space allège comme ça que ce soit. Une get-up attaque, ça aurait pu encore clank. Une normal get-up, voire un saut. Et la roll, c'était forcément puni. Ah, le saut s'il est mal exécuté en tout cas. Et le switch de PBX qui va sortir Lucario. Son second depuis quelques temps déjà, même s'il ne sort qu'assez habituellement de par le fait qu'on puisse permettre beaucoup de round robin chez nous. Privilégie le temps de jeu de chacun au bracket en tournoi. Donc un Lucario qui aura de la bouteille quand même. Et un Lucario, ça fait toujours peur parce que ça va toujours très très vite. Quand on se fait défoncer, soit on défonce l'adversaire, il n'y a pas de secret. Sur Smash Ville cette fois-ci, on laisse tomber le centre-ville. Doji qui s'impose bien dès l'entrée. Un bon combo. Ah, bien joué, left tilt. Bon mix-up de la part de MotoGP. Vraiment des options quand c'est pas forcément. Ah, il y avait une lecture, c'est dommage. Mais Lucario se baisse en atterrissant sur Shine Up B. Maintenant, attention à pas trop tomber dans le piège parce qu'on. Lui sait jouer Lucario. Donc on se doute que lui, ça le dérange pas de se faire combo au début. Ce qu'il veut, c'est voir monter ses pourcents, charger son aura. Et d'un coup, c'est plus la même musique du tout là. Bon, ça abrite par contre, ça finit par MotoGP, donc ma foi, pourquoi pas. Cherche le back air, là on voit Pivik. Bien joué le monkey flip. Cette fois il est passé, mais ça reste trop dangereux. Deux fois d'affilée que Pivik. Ah, c'est. On va réagir à ça. Qu'il a shield la banane, il va pas la plus shield. Il faut pas smash comme ça dans le vent. Et Pivik, ça fait plusieurs fois qu'il fait son up B sur le stage et que c'est pas. Ne serait-ce que suivi par MotoGP. C'est la banane, grab afro, on le garde off stage. Là par contre, bah, encore une fois, up B sur le stage MotoGP qui. Pas. Le monkey. Là. Je suis au back air, c'est ce qu'il faut faire. Un peu lame, c'est super. Voilà, falling up air, ça reste Lucario. Et Lucario, à 127%, qui charge son aura. Vraiment penser à tuer rapidement là. Et encore une fois, le flip passe. Enfin, le flip, c'est comme ça, mais c'est pas le bon terme, m'excuserai. Attention, MotoGP là, faut pas trop se découvrir, pas trop prendre de risques. C'est ce qui est safe. Là, le down tilt, il passe pas, le smash passera pas non plus. Il n'y a pas de raison de rester sur toi. Il a cherché une read guard dodge, il a pas pu qui prend un gros bel avantage. Je serais pas surpris de voir voilà, un side 2 ou un back air tué. Vraiment qu'il fasse le ménage maintenant MotoGP. Il faudrait peut-être plus utiliser sa banane, la laisser sur le bord à bonne distance et ensuite se placer de façon à couvrir un maximum d'options. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il recule juste au centre du terrain, jette la banane vers Pivik et attend de voir et improvise en fait au final. Il n'a pas marché jusque là. Et puis juste qu'il va faire dans plus. Voilà le back air qui va tuer à l'edge, bien joué. 69% pour MotoGP, le pourcentage magique. Il y a l'interception du Monkey Flip avec l'aura sphère là. Et le grab, il a cherché le dernier encore une fois, mais là c'est plus les bons pourcents pour. C'est un combo à low pourcent plutôt. Pas de bêtises bien sûr. Fait d'intro, le fer, bien joué le Monkey Flip. Ah, encore une fois, bien joué. Là il a attendu. Il est resté en shield pour voir, il a réagi, il l'attrape. Bien joué. La banane. Ah oh. Ah là là. La dash attaque dans le vent, ça c'était dangereux. Quand même qu'une game 5, ma foi. Intéressant. Il se prendra sa revanche. Hier. Ah. Ouais, c'est dommage. Il avait une occasion de faire quelque chose de mieux. Je pense que ça missile plus. J'avais pas de bonne raison de faire une dash attack comme ça. Dans le côté opposé, je pense qu'il a voulu une pute genre un jump cancel up smash, pardon. Puis si on demandait pas tant, et je soupçonne aussi une DI un petit peu hasardeuse de la part de MotoGP sur son punish. En tous les cas, la game est perdue. Alors, DF et Lailat seront les bandes Game 5. On va retourner sur Ville Centre-Ville. On va qu'il se tâte MotoGP. Je pense qu'il retourne. En qu'il tente quelque chose. Oh. Très bien. Dangereux, attention. Mario, ça peut. On réunit. D'un côté, on charge l'aura sphère, de l'autre, on charge la banane. Premier combo pour moi. Maintenant, pour Pivik, ça petit à petit, grab up throw. Un petit. Encore une fois, là, il y a l'impression. Comme d'habitude, en fait, à part les deux premières games, MotoGP a vraiment des bons débuts de game, en fait. Vraiment, l'ascendant, il prend vraiment. Il capitalise vraiment sur son momentum. Là, je veux la ride, là, guard dodge. Capitalise bien, mais après, il a du mal à trouver le kill. Contre Lucario, va être un gros problème. Et la tendance à perdre patience. Ah là c'est un peu risqué quand même. Bien joué en air dodge, en folie de fer. On prend l'avantage, quand même attention, ça reste Lucario en face. Bien joué le nerf, le fer pardon. Là c'est un bon début de game, c'est solide. Attention à l'aura. Attention à l'aura quand même, voilà bien joué. Il a attendu que l'aura se fasse part, il punit au back air.
Putain, ça c'est bien joué. Il aura peut-être plus d'un titre, je pense. D'un titre et peut-être de circonstances là. Ça c'était juste. Oh voilà, voilà, c'est ce qui se passe quand on tue pas Lucario assez tôt, ça. Même scénario que tout à l'heure. Excusez-moi, Piux qui prend un avantage costaud d'entrée. Et beaucoup de rage vu qu'il aura bien chargé. Logic il est. Là, ça doit tuer. Ça tue. Voilà. Voilà, Mythologie qui d'un coup inverse complètement la tendance parce que alors Lucario à 0%, 15 aura contre Lucario à 130%, ça n'a rien à voir. Attention quand même à ne pas de choke. Il a parfois un peu de mal avec l'air en tournoi. Non pas qu'il s'effondre à chaque fois, mais il a tendance à devenir très très prévisible, il faut connaître parfois. Encore une fois, même si Punish n'est pas passé, il y avait une bonne lecture. Encore une fois, une air dodge après une throw. Dangereux ça. Surtout pour quand on connaît la puissance de l'up smash de Lucario. Là par contre c'était vraiment ridicule, non, mais inutile, la double roll là, puis vu que c'est tant que ça. Faut pas s'approcher comme ça. Ah le père qui est impressionné par le ballon aussi, moto, je sais pas. Relativement proche tout de même les deux. Bien joué le folie. Faire. Ah il a pas tourné. Arrête de roll vers lui. Pitié. Arrête de roll vers lui vers l'edge. Il fait du mal ce garçon. Voilà, bien joué, attends, on va se faire. Attention! Ah, ça a peut-être pu mériter une up throw ça quand même. Ah oui, oui, attention, le side-bad de la portée, attention le reste faire. Oui, là, il a un peu paniqué. Ça sert à tout d'un titre, je pense. Encore une fois, je pense. Ah, ça clanque, c'est dommage, il avait l'idée. Flash attack, pourquoi pas, bien joué. Ouh, joli ça, il a joué de la banane, il a tendu l'air dodge. Non, c'est dangereux! C'est dangereux! Ouh! Mais quelle énorme paire de couilles! Bien, bien, Motoji, bien joué! Qui clutch le set et qui pop off, il l'a mérité. Très solide performance quand même de Pibix aussi qui a montré que son Lucario était clairement pas ridicule, mais qui malheureusement a raté le coche et a peut-être pas su capitaliser sur son défi lors de la dernière game notamment. Bien joué MotoG.